sonore dégueulasse. T'as vu, c'est un stylo. Lucien Dupire. C'est vrai? C'est vrai, attends. La joie d'écrire avec Lucien Dupire. Attends. Je me suis fait rire tout seul. Vas-y. Viens, viens. Allez, viens. Tu me présentes un petit peu ce qui se passe? Ah, vous avez la salle de régie avec DJ Chardy. On a demandé à Antonin Chardonnereau de venir nous enregistrer. On est ici dans ce super studio là qui est trop magique. L'ingé son, il sert à ce que le groupe reste ensemble à la fin du studio. Que personne ne s'entretue. Voilà. Il dit non, mais c'est bien, c'est vachement bien ce que lui il a fait. Lui aussi, c'est vachement bien. Allez, faites-vous un bisou. Il fait ça l'ingé son. Qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, il écoute pas. Ouais, c'est mon nouveau téléphone. Ouais, il est un peu lourd. Tu fais quoi? C'est là. Moi, ils me font rire. J'aime à les regarder quand ils se mettent à courir pour ne pas le rater. Ce bus qui passe toujours trop tôt quand on est à la bourre pour aller au boulot. Moi, ils me mettent en joie. J'aime à les regarder scotché à leur smartphone. Tous les jours, ça c'est pas facile. Ça c'est du bénévolat. Ça c'est pas facile. Ça, tu sais rien faire toi. Hein. Non. Qu'est-ce qui se passe après dans l'ordinateur? Faut faire le mixage. Ça c'est coûte un pognon de dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et après, c'est masterisé. Et après, je bip en pressage. Et entre temps, faut trouver, se mettre d'accord sur le nom de l'album. Ce qu'on a trouvé des fois, mais après, on dit qu'on ne trouve plus, mais après, on l'a retrouvé. Et après, on sait plus. Et après, il faut se mettre d'accord sur quoi? Sur les visuels, ça c'est Justin, en général. Il a toujours une idée super. Puis faire un peu de promo quoi. Je veux dire, voilà. Donc tout ça, ça, je sais pas, on était à quoi calculer dans les 2-3 millions d'anciens francs. Et quand même, ça me plaît. Il faut que vous donniez pour le Ulule pour trois raisons. D'abord parce que ça va vous donner de la joie. Donner de l'argent, c'est bien. Le garder pour soi, c'est mal, voyez. Donc ensuite, il faut le donner à des gens qui vont faire quelque chose de... Ça va vous élever quelque part, parce que vous donnez un projet culturel, artistique, mais au-delà de ça, on s'en fout, c'est encore plus puissant que ça, ça nous dépasse. Et la troisième raison, c'est tout simplement parce que vous allez le recevoir dans votre boîte aux lettres, et la boucle est bouclée à ce moment-là. Voilà.